Mouti wanti la foriji wan koke wan Awa afa wati wanti la la on foriji wan koke wan. État de choc, tristesse et consternation se lisent facilement sur ses visages. Pour cause, une plaie encore saignante. Hommes, femmes, autorités politico-administratives sont réunies ici pour prier pour le repos d'une âme chère à eux, celle de Mufida Tadjoke Gbadamansi, rappelée à Dieu il y a seulement 8 jours. Ses parents sont reconnaissants de cette présence remarquable de sa famille politique et de toutes les personnes qui l'affectionnaient. Merci infiniment pour votre amour du prochain. Que Dieu vous bénisse en retour. Nos prières d'aujourd'hui vont vers notre sœur. Mufidat appartient à plusieurs groupes et regroupements, surtout politiques, que nous ne pourrons pas citer ici. Merci à tous encore une fois, vous qui êtes là et ceux qui sont en chemin. Que Dieu accepte nos prières. Originaire de la commune de Pobé, Mufida Tadjoke Gbadamansi était spécialiste en communication et marketing. Elle a officié pendant plusieurs années à la télévision nationale du Bénin, ORTB. Pour ses proches du parti Union progressiste Le Renouveau, elle était une militante dévouée à la cause du parti. Dans cette foule d'hommes et de femmes qui pleurent Mufida Gbadamansi, Louis Gberounou Vlavounou. Lui qui a cru en toutes ses capacités, son leadership féminin et son dévouement au travail bien fait et l'a fait membre de son cabinet. Elle y occupait jusqu'à sa mort le poste d'assistante de l'attaché de presse du président de l'Assemblée nationale du Bénin.